enfants. On va pas les laisser trop libres, mais quand même un petit peu. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Christian. Je vais avoir le plaisir et l'honneur de vous accompagner tout au long de cette cérémonie. Nous sommes réunis en ce jour si particulier pour unir Laurie et Vincent par les liens du mariage. C'est un moment de joie dont vous allez être les témoins. Et c'est également votre présence qui rend ce jour si sacré. Cette cérémonie est l'occasion de faire de cette journée un moment unique et inoubliable qui leur appartient et de le partager avec vous. Pourquoi une cérémonie laïque? Ne se reconnaissant pas devant le serment matrimonial qu'il aurait fallu prononcer devant un prêtre, ils ont souhaité se marier différemment. Le mariage qu'ils ont imaginé est différent de celui de leurs parents et de leurs grands-parents, mais aussi différent de celui de la plupart de leurs amis, qui, eux, se sont mariés traditionnellement, et pourtant, ils se sont choisis et ont décidé de s'unir. Cette union est un engagement qui représente à leurs yeux bien plus que la signature d'un document à la mairie, où il ne fait aucune référence à l'amour qu'ils se portent et aux nombreuses années qu'ils ont partagées, et à toutes ces multiples raisons qui justifient leur mariage. Il est le symbole des 15 années qu'ils ont parcourues côte à côte, de la famille qu'ils ont construite, de la naissance de leurs 3 enfants, et de la promesse qu'ils se sont aujourd'hui faite de s'aimer pour tout le reste de leur vie. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont décidé d'imaginer de créer leur propre cérémonie d'engagement, quelque chose qui leur ressemble et qu'ils vont partager avec vous tous réunis ici, aujourd'hui. Il va de soi que cette cérémonie n'aura aucune valeur légale ni officielle au regard de la loi, mais elle sera et restera pour vous, pour nous et surtout pour eux, l'un des plus beaux moments de leur histoire. Le soleil va tourner. Alors, j'ai conclu un accord avec lui, il va tourner. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous êtes face aux caméras. Hein. Ah oui. Vous avez le visage. Regardez, Laurie, elle a un visage.